Oh, it's switching. You ran away already. I signed that too. Thank you so much. Thank you so much. What's your doctorate? You're at En plus, je trouve que c'est relativement long. Et je me suis dit, j'ai déjà parlé beaucoup et je trouve que... Créateur d'univers. Je crois que si je dois mettre dans un mot ce que je fais, je crée des univers, beaucoup pour les jeux, beaucoup aussi pour le cinéma. Tous les films que j'avais fait, c'était des films d'univers. Et les jeux, c'est encore mieux parce que les jeux, on peut vraiment faire beaucoup avec ça. Actuellement, vous partagez toujours votre vie professionnelle, votre vie artistique entre les jeux et le cinéma. Ouais. Avant, je faisais une dizaine de films qui étaient que du cinéma. Alors, je faisais le Titanic, le Matrix, Final Fantasy, Cinquième Élément, tous ces films-là. Après, après ça, j'ai commencé à faire un jeu qui s'appelait Final Fantasy IX avec Hironobu Sakaguchi. Et après ça, j'ai vraiment commencé à être de plus en plus passionné pour les jeux. Qu'est-ce qui vous a emmené au jeu? En fait, je ne voulais pas faire des jeux, mais quand j'étais à Hawaï, j'étais avec une équipe et pour 2 années, j'ai fait de la pré-production pour Final Fantasy. Et un jour, ils m'ont demandé, est-ce que tu veux travailler sur le jeu? Et je dis, OK. Et j'ai vraiment trouvé ça fantastique. Je suis retourné après sur le film en tant que peinteur numérique, pour les matte paintings, mais... J'ai plus jamais lâché la passion de faire des jeux de vidéo. Vous avez beaucoup parlé de propriété intellectuelle. Vous aviez des conseils à donner à l'assistance, dont plusieurs étaient assez jeunes. Ouais. C'était quoi ces conseils-là? Je crois que c'est important d'avoir une composante d'écriture. Et ça, c'est nouveau pour moi aussi, parce que je n'avais pas écrit beaucoup. J'ai dessiné, je croyais que je peux m'exprimer uniquement par dessin ou par peinture. Et je me suis dit, c'est suffit. Mais je me suis rendu compte, surtout à vivre à Hollywood, d'écrire les concepts. Ça, c'est une moyen de les protéger et aussi d'être plus précis quand on décrit quelque chose. Je ne dis pas que les images ne sont pas importantes, mais je crois que le côté écriture ou écriture visuelle même, c'est très important. Et c'est ça que j'aime. Maintenant, j'ai des étudiants au Art Center à Pasadena, je leur apprends vraiment l'écriture visuelle. Je crois écrire un projet, ça c'est un des grands plaisirs. Même si on est un mauvais écrit, si on écrit mal, il faut plein de fautes comme moi. Si on a quelque chose à dire, c'est important de l'écrire. Si vous n'avez pas d'histoire à raconter visuellement ou par écrire ou verbalement, il n'y a pas vraiment pour moi de raison de faire tout ça. C'est vraiment pour communiquer une histoire, un sentiment, un univers. Et pas tous les jeux, par exemple, sont pleins d'histoires. Il y a un jeu que j'adore qui s'appelle Shadow of the Colossus. Et il n'y a presque pas d'histoire, mais une sorte de concept d'immersion où on entre un univers que je trouve extraordinaire et que j'adore. Mais en même temps, j'adore des trucs qui sont bien scriptés, qui ont une vraie histoire. Et des fois, je fais les images d'abord et après j'écris. Je fais une sorte de brainstorming pendant une année ou quelque chose avec des carnets de croquis. Et après j'écris et des fois, je vais l'autre sens. Évidemment, je suis un visualiste, alors ça m'intéresse de faire des images et puis il y a des gens qui sont peut-être plus inclinés d'écrire et puis chercher les images plus tard. Et actuellement, vous travaillez sur quoi? En fait, j'ai écrit un livre qui s'appelle Entropia et je suis en train de développer ça autant propriété pour films et jeux de vidéo. Ça, c'est ma grande passion. En même temps, je fais beaucoup de freelance. Le dernier film que j'ai travaillé dessus s'appelle The Golden Compass.
Et ça va être un film avec Nicole Kidman, et ça va être un grand film de fantasy. Alors je me prête tout le temps dans les studios, je travaille avec eux pour soit développer leurs films et les jeux, mais en même temps je développe beaucoup de ma propre propriété qui est mon livre et que j'espère va devenir un jour quelque chose de plus. Qu'est-ce que c'est Entropia? Entropia, ça s'appelle Entropia Collection of Imaginary Stamps. Et c'est une collection de timbres imaginaires. L'idée, c'était de raconter l'histoire d'un pays et de ses caractères les plus importants à travers des estampes et des timbres. Et je trouvais ça très intéressant parce que les timbres racontent plein de trucs, l'invention de l'avion, toutes les expositions. Et c'était une bonne façon de créer un univers. Mais en même temps, quand on lit toutes les histoires à travers, ça crée une merveilleuse histoire d'une petite princesse qui est dans un univers occupé par soi-même. Et c'est presque un peu politique et je trouve que ça fait une bonne histoire à la fin. Et ça pourrait se vivre à l'écran, ça pourrait... Oui, il y a déjà beaucoup d'entrées à Hollywood en fait, d'acheter mon livre. Comme je voudrais au moins en partie être le directeur, ça c'est un peu plus difficile. Alors il y a beaucoup de gens qui veulent, ça s'appelle optionner, ils veulent acheter le livre et puis faire ce qu'ils veulent avec. Et moi je suis un tout petit peu protecteur parce que je crois que je connais l'univers le mieux et je ne veux pas être coupé au début et recevoir un chèque, un peu de l'argent et c'est tout. C'est pas que... Tout le temps, j'ai peur de ça. C'est seulement avec ce projet-là. Il y a d'autres projets où je fais de IP et j'y vais aller, faites quelque chose. Mais celui-là, je me tiens au cœur et j'aimerais bien le garder et le développer moi-même. Vous êtes très protecteur. Oui, celui-là, oui. Oui, j'étais à Bruxelles, dans l'Institut Saint-Luc, qui peut-être vos lecteurs connaissent parce que Sokal était là aussi et vous peut-être avez parlé avec lui. Et Sokal était là 10 années avant moi et moi je suis allé parce que j'adorais Skuyten et toute cette école de bande dessinée. Et moi je faisais un baccalauréat en mathématiques en Suisse et au chagrin presque de mes parents, je me suis décidé je veux faire la BD. Et puis j'étais 6 à 8 années à Bruxelles et je commençais à faire la bande dessinée. Et j'ai commencé à faire un album avec Tom et Jean-Ri, qui sont les Spirou. Et il m'a dit, je crois que tu devrais faire du cinéma. J'ai un ami qui fait un film fantastique, tu ne veux pas faire du cinéma. Et je dis, si, c'est ça que je veux faire. Et j'ai fait un film avec Catherine Deneuve qui s'appelait La partie d'échecs. Et après ça, j'ai fait 2 autres films qui ne se sont pas réalisés. Et ça constitue le portfolio que j'ai amené aux États-Unis et où j'ai trouvé du travail après aux States. Et maintenant, vous êtes basé aux States, ouais. Vous êtes basé à LA. Ouais. C'est comment? Il fait chaud. Oui, mais j'aime bien Los Angeles, c'est une ville un peu bizarre. Quand j'étais la première fois, je n'aimais pas trop. Et maintenant, je suis marié et je trouve que c'est agréable. Je travaille en majorité de mon studio à Hollywood, alors je ne vais plus tout le temps dans les studios avec la voiture et tout parce que j'aime pas conduire. Mais comme ça va. Mais c'est peut-être pas ma ville préférée, mais il y a tellement de contacts et les agents sont là et les gens sont là. Et c'est pas facile d'échapper à Hollywood si on fait ce que je fais, si on le prend sérieux. Ce serait pas possible d'être dans le nord de la Californie, si, dans la nature. Si, c'est possible parce que moi je fais énormément de concepts à travers l'internet. Je travaille avec des gens avec le téléphone et j'ai travaillé beaucoup avec le Japon par exemple. Mais quand vous voulez contrôler le projet, c'est différent. Si vous avez voulu d'influence, c'est différent. Et quand même, il y a pas mal de gens qui font rencontrer quand on veut faire des choses plus grandes. Si je ferais que de l'illustration, je pourrais le faire de Hawaï ou de n'importe où, de la Suisse si je veux. Mais quand même, ils veulent, de temps en temps, les gens veulent vous rencontrer personnellement et c'est important qu'on contacte personnel tout aussi.